Et boum, j'ai fait récemment un point série sur Game of Thrones. J'ai aussi fait un aparté acteur sur Sophie Turner et sur Peter Dinklage. Cependant, je n'ai fait que des séries théories sur Buffy. Ça n'a trou du cul rien à voir. Il était temps, il était grand temps que je fasse aussi un série théorie sur Game of Thrones. Dans quelques temps, et seulement si ça vous tente, je vous ferai le listing des top filles de Game of Thrones. Mais bon, on s'en fout, on passe à la suite. Vous avez vu le titre, la théorie du jour parle de Tyrion. Tyrion, Tyrion, petit pas, tapon. Et cette théorie, ça serait que Tyrion ne soit pas un Lannister, mais plutôt un Targaryen. Je vous explique. En théorie, ça reste possible. Pour ça, il faudrait que le roi fou Aerys Targaryen fasse zizi-pampan avec la femme de Tywin. Bon, il va de soi qu'à la base, elle devait pas être forcément d'accord. Mais bon, c'est chose commune dans Game of Thrones, vous avouerez. Hein, ça sera pas la première fois hein, qu'il y en a une qui est pas d'accord et qui se fait pécho quand même. Mais ce qui vient surtout étayer cette théorie, c'est une prophétie. La prophétie, ben, c'est celle que Daenerys a entendue dans la Maison des Immortels. La prophétie décrit un dragon à trois têtes, annonçant la venue de trois chevaliers dragons. On sait déjà que Jon Snow est un Targaryen. Normalement, je devrais pas vous spoil, hein, sans déconner. Et forcément, bah, Daenerys, bah, ça en est une. Ce qui donne déjà deux chevaliers dragons sur trois. Serait-il donc possible que Tyrion soit le troisième? Dites-le-moi en commentaire aussi, tiens, ça m'intéresse. Voilà, hein, je vous laisse le débat ouvert. Si vous voulez d'autres théories sur Game of Thrones ou sur une autre série, eh ben n'hésitez pas à me le dire aussi. En attendant, toujours un bon début d'année 2018 et boum! Des questions et boum, des bisous! Allez, c'était Shodan the Faufondinde. Place à l'outro. Eh bien, tu sais quoi faire, allez, bye! Et boum! J'ai fait un point série. Ah merde, oui. J'ai aussi fait un aparté acteur. J'ai aussi fait un aparté acteur sur sur Peter Dinklage et Sophie Turner. Je vais la refaire. Putain. Et cette théorie, ça ne serait... Ça serait... Ça décrit, en gros, un dragon à trois têtes. Trois... Ça décrit... Je sais plus faire trois. La prophétie décrit un dragon... Un dragon. La prophétie décrit un dragon à trois têtes. Putain, mais j'ai fait deux, j'ai fait trois. Et dragon. Je me suis cogné. Si vous voulez d'autres théo... Je vais arrêter de faire ça, là.